Bonjour à tous, aujourd'hui Gaston, la voiture, la Fiat 509. Donc j'ai reçu le premier colis avec le classeur offert. Donc le numéro 1, je le ferai pas en vidéo, il y a plusieurs qui l'ont fait. Allez voir la chaîne Le Monde Dynamique, il l'a déjà présenté. Donc je vais pas repasser dessus. Le classeur qui était en cadeau. Deuxième cadeau reçu avec le numéro 1. La BD. Donc, après, le numéro 2. Avec ces pièces et le numéro 3 avec ces pièces aussi, le magazine. Donc le détail des pièces, les phares et le radiateur, le pas à pas qui est toujours très bien expliqué. C'est le top chez Hachette, ça. Ils expliquent super bien. On verra ça en détail tout à l'heure. Après, les planches préférées. Les premiers pas de dessinateur. Premier pas d'animation. Bienvenue chez Spirou. Bonne idée de décorer le portfolio. Mais enfin, et des pièces du numéro 3. Donc le numéro 3, donc la roue avant gauche et le parc-mètre. Comment installer la roue, parc-mètre. La fuite d'urine de la moitrieuse. La moitrieuse, un volet à interstite. Et encore nos planches préférées. Et les pièces du numéro 4. Donc, numéro 4, ce sera l'essieu avant. On va passer au montage. Alors, montage. Les petites figurines Gaston. Collection déjà Hachette, c'était le numéro 1, mais ça remonte déjà à 2005, je crois, si de ce que j'avais vu. Alors, étape 1, prenez l'un des deux boîtiers des phares 2E et dans l'orifice. Alors, on a nos LED. On voit dedans le petit L et le petit R. Donc on y passe, ça va, retourner le boîtier. Et qu'on visse ça avec des vis AP. Ensuite, prenez une des deux paraboles réflecteurs 2D et introduisez la LED 2A dans son trou central. Donc, je vérifie juste. Non, il n'y a pas de. Comme ça, c'est notre gauche. Prenez un des ressorts de support. Donc on met ça comme ça. Voilà. Après, prenez un des deux verres de phare 2C. On le met dessus.
Donc c'est bon, j'ai réussi. Il y avait une petite encloche, j'avais pas fait attention. Ensuite, prenez le support de phare 1F fourni avec le fascicule précédent. Il est là. Essayez de le mettre dans le même sens. C'est bon, j'ai réussi. Donc après, ils nous disent de prendre le support de phare fourni dans le numéro 1. Et de le mettre en place. Donc ça va comme ceci. Et on prend le cache comme ça. Donc ensuite, une fois qu'on a réussi à le mettre, on le retourne. Et on met deux vis BP. Voilà pour le premier phare terminé. On testera tout à l'heure, voir si ça marche. Donc ensuite, répétez les étapes. Donc on reprend notre support. On reprend notre LED. On va passer dedans. On va mettre ça là. Avec nœud de vis AP. L'étape 4 se terminée. De faire. On va tester. Donc pour tester, on va prendre le boîtier du V-Swing. C'est un peu pareil. Et ça marche. Et l'autre. Marche aussi. Donc après ensuite, ils nous disent de prendre la face du radiateur AC avec le numéro 1 et d'y placer notre plate de radiateur, une grille arrière. Hop, juste éclipser. Donc ensuite, ils nous disent de prendre le TAN avant du radiateur 1A monté autour du papa numéro 1 et d'y placer un radiateur à l'arrière. D'y mettre cette place là et de visser le tout avec des vis AP. Voilà notre radiateur installé. Ensuite, emboîtez le capot supérieur du radiateur. Il est là. Donc il y a comme ça. Par en dessous avec deux vis AP. Ça, ça me laisse. Donc, voilà, c'est bon. Le radiateur est fixé. Ensuite, pour terminer, prenez le bouchon du capot du radiateur 2F et mettez-le en place. Donc, c'est notre dernière pièce. Yeah. Et on le met en place là-haut. Numéro 2 est terminé. Donc, notre radiateur, nos phares. Voilà. Et avec le numéro 1, on va aller faire la partie du capot qui va là. Voilà. Voilà. Si tu en es, t'as déjà une belle voiture.